Et salut à tous, c'est Thiob, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 ou 4, je ne sais plus, on voit ça dans le titre. Et on avait la dernière fois juglé donc le problème au niveau des médias. On n'avait pas pu leur faire devenir des tas clients, hein, hélas, ou des tas clients, Satrapi, enfin voilà l'équivalent. Mais c'est pas très très grave. Alors, on va partir sur. À partir là-dessus, sur la technologie réfugié chrétien. Parce qu'on voit que ça va nous donner, on voit, pardon, que ça va nous donner plus 3 d'ordre public par tour pour toutes les provinces. Hop, c'est parti. On part là-dessus, pas de problème. On va pouvoir aussi enfin du coup faire notre maison de prière, quoi. Ouais. Ici on avait dit on voulait faire un puits, mais je suis totalement débile, il y en avait déjà un. C'est pas très grave. Du coup on va faire. Un centre-ville. On va réparer parce que ça met 20 ans. Ici, on a dit qu'on gardait parce qu'on pouvait débloquer des unités de ouf. Pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, je vais m'en servir. Hein. Ouais, non, c'est bon. Lui, on va le faire envoyer ici en mode même là. Ouais, ça devrait être bon. En forteresse. Je peux voir si je peux recruter quelque chose, non? On va recruter. Non, même pas, allez. Puis on fera des nobles lanciers, hein, c'est pas très grave. Voilà, juste pour bien bloquer le passage ici, ils vont pas m'embêter par là. S'ils vont m'embêter, ce sera par là. Voilà, et là on va prendre. C'est quoi la deuxième capitale du coup? Parce que là on est le premier. Gorgan Ardashir, ok, très bien. Hop, la bibliothèque, ici, est-ce qu'on a bien tout? Ça, voilà, lui, il est bien. Lui, peut-être pouvoir le ramener maintenant? Non, toujours pas, c'est pas encore très très stable hein, sur cette province, hein. C'est fou. C'est fou tout ça. Pourquoi passer le tour? Un tour très, très pauvre en action, on va dire. Encore ces saloperies de Sassanides, là, ils commencent à me casser les couilles. Ça, oh là là. Bon, vivement que mon espion, il soit bien de rang. De haut rang. Voilà, c'est toujours cette merde là, là, pas possible. Là. Il m'en a pris deux? Pardon? J'avais deux unités de cavalerie? Ah mais on a pris deux. Ah bah au calme. Ok, non, mais d'accord, mais très bien, y a pas de soucis, y a pas de soucis, je suis calme. N'importe quoi, mais on aura tout vu là. Putain. Ah ça me casse les. Hein. Ouais, toi vivement que tu up là, que tu sois bon assassin. Parce que j'en peux plus là, j'en peux plus. Ouais, bon, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave si. Augmenter menace, on va faire talentueux et tout le bazar, et là ce sera bien. Ensuite. Là y'a quoi? Là y'a rien. Au niveau bonheur, on est bien. Et ben on va prendre la province en entière. Voilà, résolution automatique. Mode agressif. On n'a pas le temps de nisser. On occupe. On est bien. Ici, on a ici, c'est forgeron, donc on va partir sur l'autre technologie. Fabricant de bouclier, on va être bien. Hop, arène de lutte. On a toute la province. Bravo les gars, vous avez géré. Ici, on est bien, tout ça, on est bien. En plus, on a des bonnes relations avec Palmyre. Hein. Bien. Et si on peut en avoir d'autres. Ne soyez pas intimidés par ma présence. Nous sommes égaux aujourd'hui. Ah bah putain, tu peux être un peu plus haut que ton cul, toi, quand même. Hein. J'écouterai donc. Non, pas d'accès militaire, c'est pas très très grave. Je vais juste voir qui est ici. Ce sont les Roxolans. Ils m'intéressent pas. Et sinon. Il n'y a pas grand-chose hein, ici, hein. Pas beaucoup d'armées. Hein. C'est plutôt sympa. Il y en a une. Là, y a rien. Et on voit, je vais bientôt avoir mon objectif. Je vais bientôt être à 5000 d'argent de talent par tour.
Ah, on va la remettre à côté de cette fission. Ah là, bah, je gagne les 5000 par tour, c'est tout. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que... Aïe. C'est pas ouf. Bon, bah, je vais être obligé de dépenser une partie de cet argent gagné hein, sur... sur des unités. On va faire ça tout simplement, on va pas aller chercher plus loin pour l'instant, ça coûte cher, très cher. Eux forcément, elles améliorent, c'est notre unité de conquête, faut pas déconner non plus. Ici, voilà, on va faire un poste de messager, là on est bien, là on est pas, on a un truc à construire ici. Hein. Voilà, on va faire reine de lutte. Qu'on va avoir une technologie qui va nous augmenter, mais là pour l'instant on l'a pas. Toi, on fait un retour massif là-bas. Ah, ouais, mais non. Et quoi, ils m'ont encore pris une? Non, c'est bon. C'est qui lui? Ah oui, voilà, reconstitution. Et je vais monter une armée ici. Voilà, je vais prendre là, ce général là et je vais lui dire bouge tes fesses. Ouais, je lui dis comme ça, je lui dis bouge tes fesses, t'inquiète. Non, même on va être plus subtil. On va le dissoudre. On va faire recruter par mon... par lui là, le dirigeant de faction, le Shah. Qui a beaucoup beaucoup de... Oh la vache. Ah ouais, ouais, il est bien lui, il est bien. Donc là le problème c'est que je suppose que je peux pas encore remplacer par un truc bien, quelqu'un de bien, non c'est pas grave. Donc on va le laisser, on va voir même si je peux pas recruter un pouillard d'unité encore ici. Hein. Ouais, on va faire ça vraiment pour être sûr. C'est chiant mais bon. Hop, est-ce qu'on peut améliorer? Non, on pourra même réentraîner, ok. Parce que là, il me semble qu'il y a une autre armée qui va peut-être venir donc de Suse. Et une, ça peut aller, deux... C'est bancal, voilà. Alors, il m'attaque, ça me va. Il y a quoi? Il y a... Putain, il y a pas mal d'archers à cheval. Ah, ça c'est chiant par contre. Ah, beaucoup d'archers à cheval. Écoutez, on va mettre la bataille sur le champ. Bataille que je vais passer, vous avez déjà vu des batailles du genre. Et on se retrouve juste après. Ouais, là c'est bien. Alors, foutre 3 et on foutre là au cas où, comme ça là. Bon, il pleut, c'est pas grave. Hop. Tac, là on est bien. Chute murée. Ici, le classico classique. Ici, le classico. Le classique classico. S'il veut bien. Merci. Derrière eux. Que je vais retirer de tir à volonté. Faudra s'en souvenir. En général, bon bah il se met là où il peut, comme d'hab. J'ai de la cavalerie, on va la laisser là pour l'instant. Et lui. Ouais. C'est bien, on va le mettre là, il va se prendre des tirs encore, comme d'hab. C'est pas très grave. Hop, donc tout sauf cavalerie. Mob card. On a encore deux trucs à faire. Lui. Par pur hasard, au cas où, vraiment, au cas où. Voilà. Et pff, ça sert à rien. On commence. Les dieux, je jetterai à l'ennemi tous ceux qui fuiront. Les lâches n'ont pas leur place ici car nous nous tenons entre l'ennemi et notre peuple. Nous devons tenir. Voilà, ça décoche. Bon, heureusement, oh, vache, ils ont une cadence. Heureusement qu'il y a la majorité des traits qui sont arrêtés. Hein.
Qu'est-ce que... Merde, 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 merde. Ils sont plus rapides que moi, c'est cool pour eux, hein, c'est de la merde pour moi. Voilà, donc bah, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va y envoyer mon général. Hein, S'il veut bien, hein, on sait pas trop ce qu'il fout là, c'est il se balade. Il dit tiens, c'est joli dans le coin. Bouger un jour quand même, non, c'est bon, si, oui, hein, voilà, très bien, c'est une charge ça, waouh, une belle charge hein les gars, hein. Eux ils sont en maintenir, faut pas les laisser là, allez, faut pas laisser là, grouille, putain, c'est pire que casse-couille ça, honnêtement. Voilà, maintenant on a eux là, Dynamite. Là on est bien, eux faut la faire tirer s'ils veulent bien, voilà, merci. La tirer derrière là, sur la cavalerie, parce que ça va être dur à atteindre celle-là. Voilà. Ça marche bien, hop, suivant. Là on est bien, on n'a pas trop de pertes comme ça de ce côté. Ah, ils vont vouloir attaquer là. Non, même pas, ça passe. C'est pareil, ça se passe bien. On a de la perte, voilà, on va tirer là, c'est plus générique comme ça, même s'il se loupe, bah ça touche quand même. C'est plus dans le tas, je veux dire, surtout. Voilà, allez, on tape les gens. Merci. Ah, c'est ce que je disais, hein, en voyant, ils se prennent quelques flèches perdues, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'est parfait. Hop, on fait tirer là. Merci. Les bons archers hein, qui font du bien. Sont efficaces hein, la vache. Hop, a plus, encore un autre, unité d'archer, la dernière. Là on va charger. Et les tireurs je peux pas parce que tout simplement bah, j'ai mes chevaux trises, hein, c'est génial. Alors, on va quand même faire mine 2. Voilà, c'est bon, ils sortent. C'est parfait. Stop. Bien sûr. On continue la bataille. Toujours. Non, c'est pas eux que je veux faire sortir, c'est là. Voilà, bien sûr. On va faire up un peu tout ça. Eux, on va leur dire, allez chercher les gars qui sont en train de fuir là-bas. Hop, exécutez-moi tout ça, s'il vous plaît, merci. Et voilà, c'est une bataille rondement menée. Donc c'est une bataille rondement menée. Bon, ils ont perdu la majorité de leurs troupes, moi je n'ai pas perdu beaucoup. Oh, cette unité de piqué à 1000. Oh, c'est ça qui est trop fort. C'est tellement puissant, les unités de piqué dans ce genre de bataille. Oh là là, une débilité magnifique. Voilà. Il y a lui qui a survécu, quoi, c'est tout. Alors, on tue. De toute façon, ça vaut rien du tout, même relâché. Si on m'avait donné 8000, j'aurais peut-être hésité, mais là. Bon, ça, c'est toujours aussi casse-couille, hein.
Alliance militaire, oui, allez. Il n'y a pas de problème. Nouvelle épidémie. Ah merde, j'ai pas vu où c'était. Ekbatan. D'accord. Bon. Si tu veux. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils m'ont pris? Encore de la cavalerie, super. Loyaux défenseur. Hein. Je pense que ça se voit. On attaque. On est vu. On tue. On revient. Et on monte quelques unités quand même ici, hein, faut pas déconner. Là il n'y avait pas des unités genre. Ouais, eux là. Ok. Ils ont pas voulu venir, ça m'arrange. Ici on avait dit on prend lui. On échange, on remplace avec. C'était qui? C'était lui. Je crois bien que c'était lui, on recrute. Ouais, garde Zat, parfait. Voilà, en plus ça le fera XP hein, avec le vétéran. Et là on recrutera au prochain tour. On reprendra notre Saha. Qui a 44 ans, il est pas trop vieux. Voilà, lui on va le marier quand même. République hors de. Oh! Taux de recherche dans la faction. Parfait, c'est ce que je voulais. On regarde, mais normalement, j'ai pas trop. Y a rien à construire, j'ai pas trop envie, je t'avoue. Là, il y a rien qui se passe. Là, on est bien. Lui, il surveille les deux provinces là. On n'a pas de problème. On n'a pas du tout de soucis. Nicomédia, ça augmente un petit peu, hein, toujours ici, c'est cool. Niveau de l'ordre public et du la culture dominante. Ok, on va partir sur production agraire, je pense que ça va être mieux. Un espion, ouais, ok, pas de soucis. Si tu le dis. Voyez, hein, même des mages pourris, ils font ils arrivent à bien dissoudre, hein, c'est ouf, putain. On ferme ta bouche. Très bien. Alors, Tigrano Seta, on prend le Sahara qui est là, rétablir l'héritage, les disciples de Chapour. C'était quoi? On va faire ça, de toute façon c'est mieux au niveau défense. Et c'est là qu'on on se fait plaisir les gars. Ça va être ça va être pas mal. Alors, dans un premier temps, du piqué, c'est toujours de, c'est toujours bien. Voilà, 6 archers, pareil. Là, on est bien. Là, je vais avoir 4. Ensuite, on va partir sur 4 unités de cavalerie. Ça va nous faire un total de 16. On recrutera encore 2 piquiers et 2 lanciers nobles. Là, niveau équilibre, on sera pas mal. Hein. L'armée sera bien équilibrée. Ah, on peut même les développer là. Ouais, non, flemme. Là, on a 2. Comment on est? On est toujours pas maximum. Hein. C'est ouf. C'est totalement fou ça. Ici, on est comment? Ouais, bon, alors, on va retirer la cavalerie. Parce qu'on va manquer d'argent pour recruter nos unités. Ici, on est comment? On est bien. Hein. C'est parfait tout ça. Hein. Hop! Votre décision sera simple. Acceptez cette offre, que l'on puisse prospérer. Ouais. Honnêtement, il me propose pas mal de thunes. Si jamais en plus on est en allié militaire, c'est pas mal, il s'occupe de l'ouest. Moi je m'occupe de l'est. Ça m'irait en soi. On voit le Sazanide, hein, toujours à faire leur connerie. Hein, voilà, toujours à me faire perdre du temps. Mais déjà on a bien bloqué. Hein. Alors faut faire attention quand même qu'il passe pas là. Hein. Pour le commerce. Ouais, je manque un peu de généraux. On va l'adopter, on va la marier. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc qui peut être intéressant? Oui. Vieux vassal, hop.
On la marie. Hop, compagnon de beuverie. On est bien. Ici, ici, on avait dit 2 unités de piquet, je crois. Alors, 4 unités de cavalerie, 2 unités de piquet. Voilà, on sera bien. Après, on la descendra à Stéphane et on gardera juste l'armée de base sans les mercenaires ici, ça devrait aller. Au pire, je serai pas très très loin. Voilà, là, c'est de la merde, comme d'hab. Hein. Commence à me casser. Je peux même pas passer, putain. Un, deux, trois, quatre, bah il m'a pris une unité d'archer. Hein. Tac. Et bon, histoire qu'il me... j'en mets de côté, comme ça j'en aurai. C'est chiant. Voilà. Gardien de la loi. Ah, j'aimerais bien piller ça, moi. Leur pied, mais le repère, mais juste pied en fait. Mais niveau pillage, on n'a pas encore trop. En restant en vie et en restant chez moi. Dio. Il est pas mal développé lui. Hein. Faudra aussi qu'on voit nos relations avec les peuples au sud. Ah, il commence à se dire c'est la merde. Donc rien de sa tarpille. Cette rapide, non. Non, il veut pas, donc c'est pas grave. Mais voilà, après il faudra que je regarde au niveau des provinces donc d'Arabia. Donc Arabia Magna et Arabia... ah, j'ai un trou de mémoire. Arabia Magna et Arabia Félix, voilà. Nos relations, voir si on peut être potes ou s'ils veulent pas être potes. Grosso modo, c'est ça. Hop, là on est bien, ici on est bien. Pourquoi j'en avais un troisième? Non. C'est pas grave. Ah oui, non mais c'est toujours plus les gars, regardez. C'est n'importe quoi. C'est bien, voilà, taux. Ordre public augmenté. Plus de recherche, pareil ici. Accorde 3 sorciers à votre entourage, carrément. Putain. Voilà, on fait ça. Je vais voir au niveau des bâtiments. Ah oui, on pourra faire ça. Donc ici, voilà, on fait garde de la ville. Et là, on fait enfin notre première maison de prière. Eux, ils sont toujours en recrutement. Il y en a, pardon, pour un moment. On voit que niveau argent, ça baisse très vite. Hein. C'est très très rapide. Dans le mauvais sens, hein, mais c'est très rapide. Voilà. On a fait un tour correct. On n'a rien d'autre à faire. Il y a des gamins, ça pond, hein, mais... Voilà. Alors on va pas dépenser plus. On va essayer de garder un peu de côté pour recruter nos deux lanciers nobles. En gros, c'est le principe, hein, t'as ta ligne de piquet et tu veux défendre les côtés de ta ligne de piquet, donc les... comment on appelle ça? Les flancs, voilà. Et rien de mieux que des lanciers, si en plus ils peuvent se mettre en formation carrée, bah ils craignent pas, eux, de se prendre par les flancs. Alors, ouais, bon, encore, ok, unitaire, blabla, mes couilles, bon, j'en ai encore perdu un. Un piqué cette fois, voilà, ça change. Un piqué par contre c'est pas cool. Les piqués, c'est vrai que ça me fait un peu chier. Vivement que lui, il up, voilà, enfin, putain, voilà, menace, non, contre-espion, voilà. 9% de portée, ouais, bon, c'est bon, voilà. Cette armée va se faire dissoudre naturellement, je crois. On va dire, enfin naturellement. Plus ou moins. Alors cavalerie, on va se rapprocher. On va se rapprocher hein, de là-bas. Ok, on va recruter notre 2 unités de cavalerie. Juste pour avoir des lanciers nobles. J'en ai pas ici, on est d'accord. Ouais. Frondeur. Ouais. Hop.
Bon, du coup, on a mis un peu de côté, on va pouvoir dépenser si c'est pas trop trop cher là. 1006, c'est parfait, hop, pas plus. Manu Capou. Ah ouais, ah lui il est full de chez full, hein. Putain, wow, 15 d'autorité les gars. Ah ouais, ah il déconne zéro les gars. Wow, on va aller faire un petit coup de terreur d'élite, hein. Ça sera efficace, plus de dégâts. On va pas se plaindre. Et voilà. On va passer le tour. Tant que ces saloperies ils jouent. Voilà, là ça up, là ça me baisse encore mon armée. Bon, c'est moi ou il est en train de se piller son propre territoire, ce con? Mais oui. Ah, c'est du génie ça, putain. Ah, on n'a pas un pour attraper l'autre. Oh là là. Hop, expert agricole. Très très bien ça, très 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 bien. Hop. Et ici on recrute les deux fameux nobles lanciers. Ici on a perdu. Pff, ouais, sûrement un archer. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tellement. Ouais. Alors, nos dames, on va pouvoir les. On va faire une petite promotion. Hein. Hop, voilà, deux promotions, on est bien. On voit un purée là, 453 de gravitas, c'est elle qu'on a en plus. Hein. Ah non, mais mes généraux ils en ont pas autant. Hein. Clairement pas. Mais bon, le tour prochain on a recruté ce qu'il fallait ici, ça c'est cool. Vas-y, on est comme on est bien au niveau bonheur. Ah oh, oui, on est très bien, Mésopotamien, on est bien. Sommé. Là on peut se permettre de faire le quartier chrétien parce qu'on a assez. De nourriture, voilà, je vais arriver à Arménie, on a ça qui se construit, et là on pourra le démolir bientôt je crois, quoique c'est pas très très grave, hein, soit. Ah, Palmyre qui bouge, qui fait sa vie, lui on va encore perdre des gens. Oh ah ouais, les gars je dis pas non, petite bataille défensive gratuite là en ville. Oui, il est même pas full santé, putain. Je sais pas pourquoi. Bah écoutez, hein, ils ont quoi, hein, ils ont deux frondeurs. Xerxès. Ah ouais, Xerxès. Putain, il a vécu longtemps, Xerxès. Hein. On peut quitter la bataille. Et donc on les a bien gagnés. Alors les pertes c'est juste de l'armée de garnison. Vous voyez là mon armée elle a rien pris du tout. J'ai fait un peu le barbare. Le bourrin. De ouf. On tue. Encore un confouré de la part des amis. Je sais pas où est-ce qu'ils font ça. Mais... la merci de l'ennemi ou ça, ah ouais, bah non, hygiène publique, putain, par contre, ça consomme de la bouffe. 3900, la vache, ça va coûter combien ça? 3900 pour l'un, imaginez le reste, hein, les gars. Waouh, faut se calmer un peu. Ah. Les Sassanides ici. Ils vont sûrement aller sur Gazaka. Donc s'ils veulent aller sur Gazaka, faut que j'aille le protéger. Voilà. Pas le choix. Voilà, eux ils sauront pas quoi faire, ils seront du père en plus, hein, c'est parfait. Ils ont de l'armée, mine de rien, ils ont pas mal d'armée, hein. faut pas croire, hein. C'est pas gagné d'avance. Hein.
Très bien, on va terminer ce tour. Par contre, j'ai totalement perdu où est-ce qu'elle est l'autre. Ah, elle est là. Saloperie. Putain, il me suit, mais à la trace, celui-là. Ah, il me dégonfle, mais alors, une force. Bon, toi. Elle va dire, ah ouais, mais pas la portée, gna, gna. Eh si, les gars, eh si, c'est ça. Pardon. Non, mais ça va, tu peux pas fuir encore plus loin, par hasard. Ah oh, les gars, arrêtez au bout d'un moment quoi. Putain. Ah, casse-couille. Non vraiment casse-couille, casse-couille. Putain, on aura tout vu quoi. Ça, je sais pas qui c'est leur général là, leur compte général là. Voilà, bon, ce qu'on va faire tout simplement, on va s'approcher. S'il veut venir nous attaquer, viens donc. On va recruter un peu quand même. Plus histoire de. Purée. Ah, il fuit par. Il fuit. Justement. Lui, eux, ils arrêtent même pas. Enfin, c'est original quoi. Alors, il y a qui là-dedans? Ouais, bon, pas de suite. Ok, bon. On va pouvoir donner une promotion. Oui. Une deuxième. Oui. Parfait. On va pouvoir terminer le tour. Voilà. On va voir ce qu'ils vont choisir comme mouvement. S'ils sont totalement en terrain ennemi. Tout le monde qui les entoure là. Ah, ils vont essayer de dessoudre, machin, blabla. Bon, le truc chiant, et en plus ça passe pas. C'est bon, ils ont dessoudre l'unité, ils sont contents, ils vont peut-être attaquer. Non, même pas, ils se pissent dessus. Oh, ça. Putain. Si au moins ils attaquaient, tu vois, ça. Même pas. C'est. Bah, il a corrompu un autre piqué, putain, allez. Voilà, là on attend. Résolution auto, ça passe, c'est gratuit. Allez, on se lève, s'il te plaît, plus vite. On exécute tous les captifs, comme d'hab. On continue. Exactement comme la partie, enfin la bataille d'avant, ça prend 20 ans. Ah, le mec il est boiteux, hein, il a pris des coups au bouclier, mais bon il a mal. Hein, ça... voilà, hop, un général en moins, tu m'en diras des nouvelles. Eux on dissout. Est-ce qu'on fait une marche forcée? On n'a pas l'air d'avoir besoin. Gardien de la loi, gardien de la paix, je sais plus. Eux. On va dissoudre aussi hein, tranquillou. Donc en fait c'est eux qui vont aller là et c'est eux qui vont aller là. Et lui sur le chemin on va faire recruter un petit peu, non? Ouais, on va faire recruter ça. Ça va manquer d'armée là, ça peut passer par là, ça peut manquer d'armée. Non, on va faire aller là, ça, lui là-bas, on va le faire retourner là-bas. Enfin, en fait, on va lui faire un petit tour hein, très rapide là-bas pour recruter les quelques piquiers. Et toi, on va te faire aller là-bas. Et non, j'ai pas la ville, peut-être pas non plus. Déplacer une ville, c'est un peu chaud. Mais voilà, en gros,
traverser le désert. Ça c'est chiant par contre, au niveau des pertes. C'est jamais très agréable de traverser un désert. Mais comme ça on sera plus attaqué de l'ouest. Et ça s'annule, voilà, toujours à faire le bordel à la con. Un ce militaire, Ardan, ouais. Ok, très bien. On avait dit. Ah oui, le recrutement là. Un purée, toujours plus long, les gars. Oh, bougez votre cul un peu là. Voilà, ils viennent, ils font ouais, trop bien, c'est gratuit. Bah non, c'est pas gratuit. Hein. Voilà, ça c'est gratuit, résolution automatique, hop, équilibré. Et on occupe. Voilà. Lui, il est perdu. On va faire. En sorte d'augmenter un peu notre culture quand même, parce que c'est pas la joie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien, 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 rien. Ok. Alors, dans ce cas. Ouais, c'est bien ça. Hop, on va faire des promotions. C'est parfait. Comment on s'entend avec eux? Écoute, on n'a pas trop de soucis. Ils sont pas plus fans des Azanites que nous. Nous, même, on n'est pas expansionniste en bon. Alors, si on peut faire des accords commerciaux, pacte de non-agression. Très bien. Petit paiement, on peut même essayer d'exiger un petit paiement. Putain, ils sont riches eux. Hein. Voilà, très bien. Et du coup, ils aiment pas les Azanites. Ici, même principe, accord commercial, pacte de non-agression, alors si on a un petit paiement, on va y aller à l'ancienne du coup, pacte de non-agression, on tire ça, voilà. Nous ne pouvons plus rien demander. C'est parfait, donc comme ça en plus j'ai sécurisé le sud. Ils s'entendent pas très bien avec Palmyre, si, non, si c'est bon. Ouais, bon, expansionniste quoi. Voilà, donc là on a quand même pas mal grandi. On avait cette petite province là de base, hein, premier épisode. Là en deuxième épisode on avait réussi à prendre ça, difficilement. Là par contre on a pris toute la Media Magna, Mésopotamia, Arabia. Wow. Parce que l'Arabia Magna, on est pas malin. On va passer le tour. On est en hiver. Traité de paix, toujours pas, hein. Il a quand même perdu tout ça, imaginez. Hein. Ça trapie, il veut pas, pas de problème. Un champion, un champion. Ah, imaginez, roue, hop. Excusez-moi. Et puis on va aller sur sa capitale. Hein? Y'a que ça à faire. Ah oui, alors ici, bien évidemment, un hôtel. Un hôtel. Lui, on avait dit. Ah oui, voilà, il voulait faire ça. Et encore, hop, ça c'est magnifique. Regardez-moi ça, toute cette nourriture. Oh là là. Tout cet argent. Tout cet arme plutôt. On peut rien faire. On va. Oh, j'aurais quand même pas fait up toutes mes femmes, c'est maximum au niveau des promotions. Eh bah si. Bah c'est parfait. On va augmenter mes généraux maintenant. Ah, ça coûte cher d'un coup. Hein. Oh oui, c'est. Ouais, ouais. Ah, ouais, ça coûte cher les généraux purés. Oh les gars, vous sentez plus pisser là. Hein.
compliqué. Ah, les Sassanides, ils ont rien fait, disons, ce tour-là. Putain, et ça fait gagner du temps fou hein, sur le passage de tour. Alors, c'est juste que ça s'est passé rapidement. Ouais, je pensais plus ça. Voilà, et quand on sera en territoire là, territoire Sassanide, même très proche là, il va falloir passer en embuscade et avancer petit à petit. Un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis défoncer. Être patient quoi. Alors, on parle de ça. Est-ce qu'on peut faire. Ouais, mais non, lui c'est mon héritier de faction. Quoique lui il est tellement vieux, enfin il est tellement jeune, je veux dire. On peut se permettre. Hein. Hop. Voilà, double up. On accélère un coup là. Attention, lui il va vouloir passer. Faire marcher. Ah merde, du coup j'ai plus d'argent pour piquer. Oh le con, putain. Allez, c'est pas grave. Alors, Hubar. Hop, et Hubar, tu vas nous faire. Tu vas jouer à l'assassin toi aussi. Hein. Ouais, tu vas jouer à l'assassin. Zéro d'argent pile, ça c'est magnifique, c'est un tour rondement mené. Voilà. Le but de l'argent, c'est d'être dépensé. Non, putain de sa mère! Ah, le fils de pute! Ah, ça me casse les couilles. Oh là, j'en peux plus. Ah non, c'est bon, ça me casse les. Ah, ça me casse les reins, ça me casse tout ce que tu veux. Putain de match de merde là, voilà, j'ai perdu une unité à cause de ce putain de merde là, des chevaux, des cavaleries, de la cavalerie de merde. Ça, ça me les brise, mais putain, mais d'où il m'a vu? Ah oh, putain, et là je suis con, j'ai oublié de passer comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Non, non, honnêtement, c'est casse-couille. Ah, c'est... Mais pourquoi par là? Oh mec, il y a pas de pont? Mais faites des ponts, je sais pas, regardez, regardez. Pas de sens, pas de sens. Ça n'a aucun sens cette merde, c'est débile, ça, une débilité de merde. Ça me casse les couilles, ça me casse les couilles. Voilà. Tu fais bien tout ce qu'il faut pour une armée propre, machin, et là t'as l'autre qui fait. Moi j'arrive et je te dissous tes unités. Ta mère la pute! Putain! L'autre, ah ouais, mais attends, je suis bloqué. Il y a de l'eau, mec, j'ai peur de l'eau, je coule. Mais mets-toi sur un rondin de bois et traverse, bordel. T'es con ou t'as peur de te mouiller? Enfin, oh. Putain, t'as de la chance d'être dans le désert, il y a moins de pluie, quoi. Oh. Oh, les gars, quoi. Putain, plus con que con. Nouvelle marque, hein, plus con que con, la connerie. La connerie à fond la forme, hein. Oh là là. Allez, ça va en prendre un deuxième. Nick Taras, mais nick bien Taras, hein. Franchement. Les mages de merde là, les Sassanides, je vais les enculer. Oh là là, c'est bon, je m'en fous, j'ai perdu un truc, oui, j'ai compris. Hop, ils m'ont pris une deuxième cavalerie. Voilà, résolution auto, voilà, je viens de faire bouffer les couilles. Voilà, hop, toi, je te jure. Tant que je t'ai pas assassiné, j'aurais pas de répit. Voilà, hop, chut, un de plus. Ah putain, ça soulage, ça fait du bien. Oh la vache. Oh, ça fait du bien de se dire, lui, il s'est fait dégoumer là, il s'est fait bouffer les couilles. Oh, terrain de polo, c'est parti. Ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin, hein, honnêtement. Non. Hop, tout ça là, chut. On retourne là-bas et on protège là. On va faire avancer notre armée jusque là. Ah, ça va chier des bulles. Oh, ça va chier des bulles, moi je vous le dis. Ah, je déteste ça, là. Perdre des unités gratuitement à cause d'une connerie. De cette merde là.
Voilà, terrain de polo. Ils aimaient bien faire du polo à l'époque. Voilà. Je crois que je l'ai déjà fait de celle-là. Bon, sinon ça se passe comment là-bas? Ça se passe bien ici, ça se passe bien. Ils sont toujours pas trop sereins, mais ça se passe. Bon alors, ils sont où tes dignitaires là, tes mages de merde? Ah. Je crois qu'ils sont là. Ils sont même très très là. Ça va être une bataille assez assez épique celle-là. Ouais. On est à combien là? On est sur du 5000 5344 contre 3000 grosso modo contre 3158. Bah c'est pas trop mal hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on la jouera lors du prochain épisode. Je crois que j'ai assez ragé pour cet épisode là. Donc voilà, on sauvegarde, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis c'était Tiob. J'en ai même du mal à parler tellement ça m'a foutu rogne. Allez, c'était Tiob. Ciao.